Salut à tous les amis, c'est Rastalazer. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je viens de rentrer de vacances et je vais tourner l'épisode 2 de Rastatitre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors comme homme IG Style, bien sûr contre Harlem, hein, qui est le champion. Donc on va sélectionner un titre, hein. Hop. Donc allez, follow mon insta sera en description. Et si il est pas en description, non il sera pas en description, c'est ce que je dis, moi il sera pas en description mon insta. Je mettrai le lien d'une vidéo pour que vous alliez sur mon insta, voilà. Non, dans les commentaires. Ah non, c'est bon. Dans les commentaires, je vous mettrai le lien de mon Insta dans la description. Ce sera plus facile. Bon, là, c'est un peu chaud, voilà. Donc ça, c'est pas un match simulé comme l'autre fois. J'ai pris AJ Style car c'est lui que je veux faire gagner. J'ai pas de favoritisme, hein. C'est juste que, voilà, je crée une histoire. Et là, pour dans mon histoire que j'ai créée, c'est AJ Style qui doit gagner. Et Harlem, du coup, ne sera plus champion. Mais on verra. Si Harlem me bat, je vais le laisser champion parce que voilà, comme ça au moins ça fera genre qu'il m'a battu. Moi en plus, ça fait longtemps du coup, j'ai pas pu jouer à ce jeu puisque j'étais en vacances. Donc voilà. Le Rasta titre est en jeu, les amis. Bon, l'entrée de AJ Style, vous l'avez pas vu, alors je vais la laisser. Normalement, il était censé enlever sa capuche, hein, mais bon. Là, comme j'ai créé les couleurs, comme c'est pas ça, c'est moi qui ai mis les couleurs, du coup, ça n'a pas accepté. It's crazy to think that when AJ Styles made his debut at the Royal Rumble a couple years ago, he wondered if he would even fit into WWE. But obviously he has done more than just fit in. He has excelled at this level. I am so glad to finally have the honor to call one of AJ Styles' matches. No one ever thought he'd ever make it here to WWE. But now, here the phenomenal one is. Bon, après l'entrée d'Harlem, vous l'avez déjà vu, donc on va la passer pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Donc Otis, comme vous avez vu dans le dernier épisode, a perdu, donc allez le voir. Il a perdu face à Harlem. Introducing the champion from New York, weighing in at 216 pounds, he is the super champion, Dog. Put down that remote, stay a while. Alors je tiens à dire que c'est moi qui ai fait ce titre et c'est moi qui ai fait l'arène. Ça c'est un petit truc que je crois que j'ai dit dans le premier épisode. Donc je vais vous faire des petites parenthèses que certains peut-être qui vont voir cette vidéo ne savent pas. C'est que déjà la Harlem, le chien blanc, c'est mon chien. Enfin le chien mon frère, mais comme je m'en occupe plus, c'est un peu mon chien quoi. Et dans tous les cas c'est mon chien, hein, même si c'est lui le maître. Et Otis c'est aussi mon chien, donc c'est mon petit chien. Lui il est vraiment pour moi par contre, ce chien. Et en fait le jour je les avais fait combattre en simulé.
Et c'est Harlem qui avait gagné. Bon, Otis, il avait gagné à un moment, mais j'avais pas accepté parce que c'était une victoire en dehors du ring. En gros, dès qu'un des deux catcheurs est en dehors du ring et qu'il y a un décompte de 10 et le mec il revient pas sur le ring, bah il perd. Du coup, je voulais pas une victoire comme ça. Du coup, j'ai recommencé le match et c'est Harlem qui a gagné. Faut savoir que j'avais aucun favori. Les deux c'était mes favoris parce que c'est mes chiens, donc il n'y a aucun que je préfère. Mes chiens c'est mes chiens, il n'y en a aucun que je préfère. Alors je tenais à vous dire ça aussi. Hop. Bon, par contre ça me fait mal de faire du mal à Harlem, mais bon. C'est pour les abonnés. Ah. Donc moi je suis le mec en vert. Et lui qui est en train de me défoncer, c'est du coup Harlem, mon chien, que vous avez compris. Maintenant, je vais voir si je peux vous raconter quelques anecdotes. Ah oui, je vais vous raconter une anecdote. Ah, attendez. Je n'ai pas réussi à contrer. Dès que j'ai réussi à contrer, je vous raconte l'anecdote. Aïe. Là, je contre. Ok, nice. Donc en gros, donc on est parti en vacances à la mer, hein, comme vous l'aurez entendu dans le premier épisode. Alors je sais pas si vous avez vu hein, le premier épisode, mais je l'ai dit en tout cas dedans. Et en fait, moi, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est qu'en fait, dès que je me baigne à la mer, dans les piscines, j'ai mal en dessous des coucougnettes. Donc ça brûlait. Et du coup ça me casse les couilles. Et en plus à chaque fois que j'allais dans l'eau, du coup ça brûlait, du coup je râlais, du coup je profitais pas de la mer parce que ça me saoulait. Et voilà, ça c'était vraiment casse-couilles. Mais après on a trouvé une pommade et j'avoue que là ça va mieux, mais il faut que je me la passe sur les coucougnettes, donc c'est un peu gênant. Voilà, après est-ce que j'ai une autre anecdote. Les toilettes étaient vraiment glauques, hein. C'était des toilettes tout à fait pas éclairées, du coup ça me stresse parce que moi chez moi j'ai des toilettes éclairées. Ou alors, bon on s'en fout, mais genre j'ai une toilette, il n'y a pas de WC, mais la lumière elle est blanche, du coup ça éclaire toute la. Oh non, attendez, du coup ça éclaire toute la pièce, tandis que les toilettes, les autres, oui. He's playing with him now. Here comes Batista. What a spear! Ok, re les amis. Ma soeur me parlait, du coup j'ai enlevé mon micro. Donc c'est parti, on continue les gars. Ok, 1, 2, 3, boum, le coup de genou. Attention, le style clash. Ok, il va passer. Ouais, nice, il passe. Attention. Peut-être que AJ Styles va gagner sur ça. Oh, il y a le robrek. Le robrek, pour ceux qui savent pas, c'est quand le catcher il est au bord des cordes. Dès que la main elle va sur les cordes, ben ça annule le décompte. Au sol. Oh. Je vais faire mon retour. Ou alors toi. Ah. Ou alors moi. Alors toi, je vais faire mon retour. Non? Allez. Retourne-toi, mec. Retour. Non, je me suis chié. Je me suis chié, j'ai pas été assez rapide. M'en fous, je vais faire mon retour après, Harlem, tu verras. Non, non, stop. Aïe, 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 j'ai mal. Lui par contre là il peut me faire son retour. Oh je l'ai contre. Oh les boum. Bon attention. Et le dos sur le bord du ring. Ça fait toujours mal ça un peu. Donc là comme vous pouvez voir ça fait un décompte. Genre là si je vais dans le ring et que ça va jusqu'à 10, ça, j'ai gagné mes deux décomptes, donc c'est moins drôle. Là comme il était debout, c'était plus facile qu'il rentre dans le ring, du coup je suis monté. Ok, attention coup spécial, oh non il m'a contré. Il faudrait que je lui contre son coup spécial en retour. Ah bah non. Ah non ça va, c'est pas son coup spécial ça.
Bon, c'est bien de parler, mais... Faut pas perdre! Oh là là, ouh, j'ai mal là. Donc là, en gros, il m'a fait un... son coup spécial. Donc du coup, là, j'ai mal, quoi. Littéralement. Allez. Mais là, c'était des couilles, mec. Je pense que t'en as peut-être plus que moi. Bouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et oui, qu'est-ce qu'on fait? Telle est la question. Et on va faire... Ah non, ben non, là il y aura Rob Break. Parce que son pied a tapé. Oui, parce que ça peut être le pied aussi. Mais là, je vais faire un finisher que j'ai pas fait tout à l'heure. Et je parle bien sûr du punch en l'air, là, ou je sais pas quoi. Oh non, je crois qu'il est trop près. Du coup, le jeu va bugger, ça va pas marcher. Ah si, nice, ça a marché. Donc là, en gros, je lui mets un super punch. Et là, évidemment, hein, un finisher, ça fait très mal. Et là, 1, 2... Oh non, Harlem a tenu. Harlem qui est en plus dans ma chambre. Ah non, il est descendu en bas quand ma soeur est arrivée. Qu'est-ce que je te fais là, Harlem? Qu'est-ce que je te fais? Ah. Ah. Ça pose problème, ça. Surtout que lui, il a un finisher. Alors là, à tout moment, il me... Oui, j'ai cru que c'était son finisher. À tout moment, il se fait un finisher là, il me bat. Faut que je le contre. Oh non! Là, faut que je le contre. Yes! J'ai contré son finisher, donc là, j'ai plus aucune peur. Quoi qu'il a bientôt son spécial. Donc, comment on fait pour voir dès qu'il a bientôt son spécial? Attendez, je vais vous le dire après, parce que là, il va me faire un super saut. Là. Allez, boum, ça dégage. Là, il va rentrer sur le ring, c'est sûr. Allez, dégage. Avec l'arbitre. Attendez, je vais vous dire après comment on fait pour voir le spécial. Bon, il y en a sûrement qui le savent. Ah, vas-y, Rob Break encore. Oh! Non! Yes! Je l'ai battu sur soumission. Ça a pas compté. Ça a pas compté parce que cet arbitre de merde, il était dans les vapes. Oh non. Bon, bah là, je vais lui faire un punch. Et comme l'arbitre est debout, bon, je suis sûr, il va me contre. 100% il me contre. Oh, il m'a pas contre. Alors, pourquoi je suis autant choqué? Parce qu'à chaque fois que je fais un finisher, on me contre. Alors, hop. Allez. Viens là, dans la tête de mon truc là. Oui, AJ Styles, nouveau champion. Donc du coup, comment on fait pour savoir s'il y a un spécial? Comme vous avez pu voir en bas à droite et en bas à gauche, il y a le nom du catcheur que je suis et le nom du catcheur adverse. Et vous pouvez voir, il y a plein de trucs. Et le pourcentage, pour vous expliquer, dès que vous arrivez à 100%, vous avez vu, il y a un S qui apparaît en jaune, ce qui signifie spécial. Et dès que vous avez fait ce spécial, vous débloquez le finisher. Et c'est pour ça qu'il y a marqué F x 1. Et si vous allez à 100% encore et que vous refaites un spécial, vous pouvez avoir genre 7 finishers si vous voulez. Donc là, jusque là, vous avez compris. Et au pire, si je fais 150%, 150% sans faire le spécial, et ben ça passe automatiquement au finisher. Donc voilà, c'est comme ça que je sais quand l'adversaire ou moi a le spécial ou le finisher. Voilà, c'était la petite minute anecdote et maintenant je vous laisse. Ciao. Styles wins here in impressive fashion. And the winner is AJ.